Salut à tous, c'est Arkenke et bienvenue dans Starboon. Aujourd'hui, nous allons donc continuer l'aventure où je m'en suis arrêté. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mes ailes en or. J'ai trouvé ça au début, j'ai trouvé des ailes en pierre ou en argent, je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Et du coup, bah, j'ai mis celle-là à la place. Voilà, ça fait ouais, je suis un ange, youhou. Alors, il faut savoir que je sais pas si je vous l'aurais montré, mais ouais, j'ai toujours mon manica. Bon, j'ai paumé mes affaires en fait. À un moment, il a fallu que j'aille les retrouver. Il faut savoir que j'ai trouvé cette arme. Qui fait pas beaucoup de dégâts, mais qui est quand même vraiment horrible. C'est très tentaculaire, c'est très hentai, hein. Ah! Et du coup, voilà. Et je vais essayer de vous le montrer un peu. Peut-être que ça peut être pratique pour des boss, en fait. Je me suis téléporté où là? J'ai pas fait gaffe. Oui, c'est bon. Tentacule! Tentacule! Oui, tentacule! Et oui, elle reste un petit peu. Elle attaque plus, mais ça reste, du coup ça attaque là. Ah ouais, en fait c'est tout ce que j'ai déjà trouvé une seule fois. À mon avis, j'ai l'impression que ça ressemble à ça, enfin je sais pas. Tentacule! Elle ramène une arme alien, du coup, voilà, c'est une arme légendaire, hein, donc on voit là. Elle bouffe pas beaucoup, donc voilà, salut toi. Alors, tiens mamie, voilà mamie, et je ouvre ça, youhou, tu me donnes une tête card, c'est ça, ouais. J'en ai combien de tes cartes? J'en ai 7, putain, je suis presque bon. Accepte. Alors peut-être que pour faire cette quête, est-ce que j'ai besoin... Est-ce que j'ai besoin... Est-ce que j'ai besoin... comment on fait déjà? Alors déjà, il faut que je fabrique celle-là. Ah ouais, j'ai dit qu'il fallait que je regarde ça, je sais toujours pas ce que c'est. En fait, il fallait que je fasse ça pour... parce qu'à mon avis, pour cette mission-là, ça serait bien que j'ai l'armure supérieure. On va essayer de la faire. Si j'y arrive pas, j'arrêterai, puis voilà. Mais en fait, l'idée, c'est juste de faire cette mission-là. Et on va essayer de la faire. Alors, par contre, on va s'équiper en conséquence. On est dans un désert. Oh, un visiteur! Tu veux voir mes tentacules? Welcome, nanana, tu t'appelles Tanouak. C'est toi qu'il faudra que je ramène sur le outpost après, je pense que oui. Je sais, c'est dangereux. Alors toi, tranquille comme ça. Vas-y, hein, moi je te suis. Alors toi, quand tu vois un mec arriver avec des oreilles, des ailes comme ça, habillé normal en guerrier avec une arme alien, ça te fait pas peur? Ah, je me rappelle, j'ai volé ça. Là, tu me parles, et moi pour l'instant, je pionce. J'aurais tellement rien à secouer. Ouais, tu me racontes ta vie, c'est parfait. Mais en fait, tu m'accompagnes comme ça jusqu'au bout? C'est bon, je peux y aller alors.
Alors là, c'est fermé. Voilà, j'avais envie de taper dedans. Tout ça pour ça? Eh ben putain. Putain. Je rate les sauts, mais... Je sais pas pourquoi en plus je l'ai senti que j'allais les rater. Bon, celui-là je l'ai moins senti, mais... Voilà. Ce qui fait chier, c'est quand... Il n'y a pas de lumière, bah merci de m'en mettre. Hein. D'accord. Hop là. Après là, il faut que j'aille où? Il faut que j'aille là. Tentacule! Bon, la tentacule, c'est un peu raide. Hein. Voilà. Je vais mettre une autre arme que la tentacule. C'était juste pour vous montrer. Mais... En fait, le problème, c'est qu'elle manque de puissance d'attaque quand même. En fait, il faut voir comment un ennemi se démerde, mais là, c'est un ennemi qui est un peu loin, c'est un peu chiant. J'ai bien vu qu'il y avait le petit interrupteur, mais... Je me suis posé la question, c'est un piège? C'est la Miratique à souhait. Bon, il me dit bien qu'il faut que j'aille vers le bas. À mon avis, il faut esquiver la flotte là quand même. Ah, fait chier, moi je veux bien qu'il fasse des niveaux, mais là. Ah putain, bon, c'est pas par là. Il me dira au moins j'ai pris un épisode entier pour faire ça. Donc ça devrait le faire. Scorpion! Bon, lui m'emmerdera pas. Comme ça, on n'a plus le droit de piller tranquille. D'accord, donc ça me ramène là. Ouais, ça me ramène là, d'accord. J'ai touché. Ça a touché aussi, ça fait chier. Ah mais c'est bon, on peut passer là. Bon, je préfère ne pas bouger, mais carrément. D'accord. Alors, l'idée...
C'est bon, c'est tout ouvert. Ah, j'ai cru qu'il fallait tous ces... Oh, bah merde, moi je m'emmerde depuis 2 secondes là. Qu'est-ce que c'est? Ça se vend bien. Oh, pourquoi pas? Pourquoi pas? Le guerrier oiseau est là? Oui. Alors attends, après, mais faut que j'aille où, moi, parce que c'est gentil d'aller ramasser des conneries, mais... J'allais dire mauvais côté, mais... Putain, heureusement que mon inventaire il disparaît pas. Hein. Heureusement que mon inventaire il disparaît pas. Hein. Mission, et on recommence. Elle est faisable cette mission, l'argent. Oh merde, fais chier! J'éteins les lumières, j'en ai rien à foutre. Allez, dépêche-toi là. Oui, je sais, je suis ton ami, mais si tu savais comment je suis pressé, allez, dépêche-toi. Voilà. C'est par là, hein. J'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui parlaient, j'ai même pas regardé ce qu'elle me disait.
Ça, c'est de la cendre, ouais. Je me suis pas fait avoir, mais... Ouais, moi j'ai bien envie d'essayer de passer par là. Hop, on descend. Pas grave. On avance, c'est bien parce que les temples sont de plus en plus chiants, j'ai l'impression quand même. Ah oui, alors j'allais dire, ça c'est... Oui, voilà. D'accord, c'est une sortie en fait. Enfin, c'est une entrée. Alors, je regardais autre chose, je regardais pour sélectionner mon épée, c'est pas bien grave. Alors, est-ce que je peux en faire? Ouais, et je vais en faire pas mal parce que je commence à en manquer. Voilà, parfait. Pour en faire plus, ça sert à rien. Fichier. Eh bah putain. Comment t'as fait pour te téléporter là toi? Hein? On dirait les mêmes chauves-souris que dans Chantilly. Enfin c'est pas les chauves-souris, c'est les... Bon c'est comme des chauves-souris. Hein. C'est pas loin d'être pareil. Allez hop, file les pixels, ça me fera toujours un peu d'argent gratos. Il va bien ce petit snipe. Ça c'est pour dormir, d'accord. Hop, alors ici, est-ce que... Ouah. D'accord, donc lui le premier. Voilà, parfait.
Mon Dieu. Oh oui! Oh là là, c'est l'or! Ah, c'est le luxe, hein! Allez, manipulateur, machin. Molotov, pixel. Là, je peux plus rien ranger. Du coup, ça, je m'en fous parce que les autres trucs valent mieux pour vendre. Hein. Oh, je vais rester comme ça, la Billy Etcher. Et c'était une licence de Sega. C'était. Coup le gamin, il se déguisait en coq ou je sais pas quoi. Du coup, c'est sympa. Ah, on arrive à la fin là. Pas de poisson. Putain. Bien parce que là on voit que ça dépasse les yeux quoi. C'est pas grave. Y'a rien là. Bon bah on y est, hein, parfait. C'est cool. Allez à go. Oulala. QX amateur. Laisse-moi le temps de calculer. D'accord, je me dis aussi c'était trop facile. Il vaut mieux avoir les armes. Hein. Hop, 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 esquive. Ouch, putain, je la prends bien celle-là. J'ai eu de la chance. Putain, mais t'as masse de vie, salopard.
180 pixels. Cette tristesse. Oui, c'est ça, allumer les flammes quand vous voyez votre dieu. Blablabla. Oui, toi tu es arrivé là, tranquille, en mode serein. Salopard. T'es un traître. Promets de bien travailler si t'es à mon service. Oui, allez, vas-y si tu veux, rejoins le outpost. T'as intérêt à me mettre un bon magasin. Je ramasse la bouboule. La bouboule des avions, du coup, hein, si je dis plus de conneries, hein, parce que je sais plus où j'en suis. À mon avis, vu l'oiseau que je suis là, oui, ça doit être ça. Ouais, oh, tout ce que j'ai comme livre maintenant. Par contre, ça je le récupère pas du coup. Ça oui, ça oui, ça oui et ça oui. Voilà. Oh, parfait. Et en plus, j'ai assez de T4 pour augmenter un truc. Tanoak. Ok, si tu veux. Allez, vas-y. Allez, on va y aller. Et c'est parfait tout ça. Bon, bah, ça aurait été un petit peu laborieux quand même. Grosse tentacule qui sort de ton truc, mec. Alors, qu'est-ce que tu vends, toi? Il me booste en fait, regardez. Bon, voilà, le dévoué, super. Si tu veux, allez, on va utiliser ça, ça, mais à mon avis, je l'ai même pas eu. Du coup, on en a trois. Et c'est pas mal, ça fait la moitié du truc du coup. Allez, qu'est-ce que tu veux que j'aille voir sur une Frozen Star? Les Apex, d'accord, ça marche. Bon, maintenant, ce que je ferai, c'est que je chercherai comme ça, je pense. Je vais même pas vous le montrer. Parce que je trouve ça long. Et au moins, voilà. Par contre, mais il m'a filé ça en continu. Parce que si c'est ça, c'est cool, hein. Tu vaux le coup si c'est ça. Alors, ça, on peut plus l'améliorer. Et j'ai pas creusé une seule pierre depuis. Alors, on va aller voir comment ça rend déjà depuis que j'ai amélioré mon truc. Tellement plus vite. Ah, pour couper un arbre. Ah, ça va vite, hein. Ça me le coupe presque instant. Putain, par contre, ça c'est bon. Regarde ça pour t'enfuir comme un gros lâche. Excited, are you custom là? Je suis en train de dormir. Laisse-moi dormir. S'il te plaît. Du coup, voilà, bon, bah, ça sera fait, ça. Donc, du coup, la prochaine quête, ouais, je vais aller chercher des trucs. Pour les Apex, hein, on a dit, je crois. Voilà, ce sera cool, ce sera bien, ce sera sympa. Mais après, ça risque d'être répétitif à ce niveau-là, donc je sais même pas si je vais vous le montrer. Vous savez, c'est comme je vous l'ai dit, cette saison 3, c'est vraiment pour faire un global. Qu'est-ce qui va se passer, surtout à la fin? Moi, j'ai surtout envie de voir ça, ce qui va se passer à la fin. Parce que globalement, après, ça reste comme le jeu que je vous ai déjà montré dans les saisons précédentes. En fait, ma vitesse, à chaque fois que je lui parle, il me le dit au début, tu vois, j'ai l'impression qu'elle baisse. Voilà, parfait, je suis le roi des oiseaux. Toi déjà, rien que là, le fait de se déplacer comme ça, regardez, si un jour je perds mon truc. Bon, c'est pratique, hein, s'il me file ça à chaque fois. Bon, c'est cool. C'est cool, c'est cool. On va juste faire un petit tour, et je vais y aller avec vous au... À la porte. Pourquoi? Parce que je crois que j'ai assez de tech card pour améliorer une compétence. Alors, il n'y a personne qui file des missions, il faut que je regarde.
Distorsion fer, turn into fer, smaller plus. Je sais pas ce que ça veut dire, je m'en fous. D'accord, en fait, ça c'est. D'accord, en fait, ce que j'ai gagné, c'est ça. Ça me fait une sphère qui peut augmenter, qui peut monter sur les montagnes. Climb walls, monter, grimper au mur. Ouais, je pense. Bing dash. Ah, quand je dash sur un ennemi. Ah non, ça passe les pièges et les ennemis. D'accord. Ça remplace le dash par un sprint, ça déjà ça m'intéresse un peu mieux. Et faire des dashs en l'air, ça aussi c'est intéressant. Sinon le saut, y'a quoi? Wall jump, faire un saut sur le mur. Rocket jump. Et je peux faire trois petits sauts, je peux faire plusieurs sauts. Ah, je vais améliorer le dash. Un premier temps, j'ai amélioré le dash, mais le saut est intéressant. Air dash, sprint. Parce que le dash, en fait, en gros, je m'en sers pas vraiment. Ouais, c'est ça, en fait, là, regardez, en fait, je cours comme ça. Vous voyez, et ça bouffe un peu de ma stamina, mais c'est intéressant. Oui, parce que regardez, quand je vais aller la voir, elle, ça va aller plus vite. Voilà, j'ai plus de... C'est pas grave, regarde ça, ça se recharge super vite, et tu fuis comme un gros porc. Voilà, c'est ça, c'est la vie, c'est beau. Ça, c'est intéressant. Bon, je regrette pas mon achat. Et toi, déjà, je cours vite à la base. Mais avec les deux trucs là, je cours vachement plus vite encore. Regarde si c'est bien lui qui me le file. Ouais, c'est bien lui qui me le donne. Oui, il m'a reboosté mon sprint. Bon, pourquoi pas. C'est pas grand chose, mais tu me files quand même un truc qui est pas mal. Bon, sur ce, je vais vous quitter ici. Je vais voir du coup pour cette prochaine quête. Voilà, hein. Je vais aussi regarder pour. En fait, souvent, je pense que dans le prochain épisode, j'aurai de la Egisalt, j'aurai tout ça, j'aurai déjà tout pioché quelque part. Faut vraiment que je regarde ça, je vais regarder ça même tout de suite pour être sûr de pas oublier. Au moins de faire quoi, pour oublier d'aller sur la planète, et puis voilà. Merci, bise, et à la prochaine.